Oui, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 297 de Stage 1 et nous allons jouer aujourd'hui un jeu qui s'appelle Tesla Grad. Alors je sais pas du tout si on peut jouer à la manette. Ça a pas l'air. Oula. Ok. Alors les options, qu'est-ce qu'on a? Graphisme, parce que je regarde toujours. Voilà, V-Sync active, lumière impressionnante, bonne, simple, impressionnante. C'est impressionnant. Alors je sais pas du tout, c'est un jeu indépendant, hein. Je crois. Voilà, voilà, à partir du moment où c'est un éditeur qu'on connaît pas, on se dit que c'est indépendant. Nouvelle partie. En tout cas, pour l'instant, ça s'annonce joli. Par contre, je connais pas le style. Hein. Alors, putain, 6 emplacements de sauvegarde, tranquille. Il y a des jeux qui offrent que dalle, et il y en a des jeux qui en offrent 42. Voilà. Oh, le mec, il se déplace. Il rentre à sa maison, il a un enfant. Le temps passe. Yo, 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 yo. Yo. Oh putain, le temps passe pas mal. Ouh, le temps passe pas mal. Il y a l'hiver, la pluie, et le printemps, hein? Ou la pluie, on va rester sur la pluie peut-être. Ah, il pleut toujours. Ouh, le vilain. Ouh, putain, on est où? On est chez les Russes là, non? Empire soviétique, ça, non? Je peux jouer. Je peux pas jouer avec les. Je peux pas jouer avec le. Je peux jouer avec la manette. Retour. Reprendre. Qu'est-ce que c'est que ça? J'essaye les touches. Pour l'instant, on peut que sauter. Allez, c'est parti. Ouh, je kiffe ce jeu déjà. Il est joli, le décor est sympa. Oh, un rat qui passe. Et en plus, on peut jouer avec la manette si c'est pas magnifique. Par contre, pour l'instant, on peut rien faire d'autre que sauter. Ouh, putain de salaud. Oh, le salaud. Casse-toi. Espèce d'égorgeur d'enfant. Ok, c'est parti. Allez. J'aurais pas dû m'approcher de lui, en fait. Je me suis approché. Bah, j'aurais même pas dû descendre en fait, hein. J'aurais dû rester sur les toits. Tout simplement. Il faut juste que je me casse. Tranquille, tranquille le gamin. C'est James Bond le gamin. À l'aise. Oh, allez, monte. Descends tout doucement. Oh putain. Je me suis fait attraper. J'espère que je recommence pas. Ah non, c'est bon. Yeah. Non. Oh, comment c'est tendu. En fait, vous savez pas où vous sautez, mais vous y sautez. Non. Il y a les dessins, par contre, les décors sont trop bien. Yep. Hey. Donc pour l'instant, le but, c'est juste de se barrer. Hein. Il fait pas beau du tout. Oh, des échelles. Enfin, ouais. Hop. Ouh, il y a des trous dans les toits. Ouh, le bâtard, il me suit. Il me voit plus. Ok, est-ce qu'il peut remonter? Je ne sais pas. Non, je ne sais pas. Peut-être pas. Il est fort possible qu'il ne puisse pas remonter. Ouh le bâtard. Oh putain, je suis tombé. C'est juste un jeu de fuite. Allez. Yo.
putain, il remonte bien, ce salaud. Casse-toi, casse-toi. Casse-toi, le mec de là. Ok, ok, je rentre dans les maisons. C'est bon, je sais pas s'il continue à me courir après, mais j'ai peur, donc du coup, je continue. Allez. Ah, putain. Ah bon, le mec, hein. Tranquille. Hein. Qu'est-ce qu'il y a là? Oh putain, le salaud. En fait, il y a des Russes partout, en fait. Allez, monte, 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 petit enfant. Ouh, le salaud! Oh là là! En fait, il faut pas, on peut pas mourir. Enfin, si, enfin, mais voilà. Ça va, ça sauvegarde à peu près bien, quand même. On arrive à leur échapper. Oup, bédidon. Tranquille. Ok. Tra. Sfodra. C'est un jeu stressant. Allez, vas-y, ouvre. Je sais pas où je vais, mais j'y vais. Ah, on est à l'abri déjà. Hein? Une boule, ça me fait léviter. C'est quoi, c'est un ennemi ça? J'ose pas le toucher, j'ai pas envie de mourir. Alors quand la boule passe. Ok, je meurs. Alors c'est pas des ennemis qui m'en volent directement. C'est des ennemis qui me font voler, en fait. Casse-toi. Vas-y, casse-toi la vague, casse-toi la vague, casse-toi la vague, casse-toi la vague. Yo-ho. Ça va, tranquille, quoi. Je sens que ça va devenir un jeu complètement hardcore au bout d'un moment. Et je fais quoi, moi, là? Ah, ouais, d'accord. Ok. Est-ce que je vais mourir? Non. Oh! Ah, oui, attends, il y a un truc là-haut. Ah, non, merde, putain, qu'est-ce que je suis con. Qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Il peut se battre? Est-ce qu'il peut se battre? Ah ouais. On a le côté rouge et on a le côté bleu. Tranquille. On se croirait dans une sorte de... Ouais, une sorte de portal, mais ça n'a rien à voir. On fait pas des trous, par contre on soulève des blocs. YOLO. Donc je pense que... Oh putain, il y a des mecs derrière, quoi. Il y a les mecs de la Gestapo russe. Le bleu et le rouge s'attirent. Ça, c'est dit. Oh putain, le salaud. Il faut du rouge pour attirer le bleu. Oh putain, je viens de mourir. Yo. Yo. On peut aller, on peut tirer en fait dans les sens, dans tous les sens.
partie, donc ça, ça sert à rien. Alors, coup vers le... Ok, envole-moi. Oh, oh. C'est... Alors je dis pas grand-chose, mais... Mais c'est vachement sympa comme jeu. Je vais monter un peu le son dans mon... histoire de me sentir plus dans l'ambiance. Oh putain, je suis tombé. Direct. Yo. Oh. Ah, il se passe quoi là? Il y a quoi en bas? Ouais, j'ai rien dit. Truc caché. Oh, oh, oh. Comment c'est tendu? Oh putain. Il faut surtout pas que je sois chargé électriquement, sinon c'est le bordel, c'est le bordel, c'est le bordel. Oh. Ok, donc les petites bestioles, ça sert à ça. On les charge électriquement. Ok. J'essaie de comprendre la logique du truc. You. Yo. Yo. Merde. Merde, comment je fais? Je vais où là? Merde. Y'a pas de bébête. Alors ça c'est la carte, hein. Ok. Il n'y a pas de touche que celle le touche. Est-ce que je peux faire autre chose? Attends, j'ai dû me foirer quelque part. Voilà. Voilà. Attention, on va essayer de le charger. Ok, il s'en fout. Ouh, qu'est-ce qui se passe? Ouh, qu'est-ce que c'est que ça? Il va me permettre de sauter ce con. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Yo. Oh putain! Ok.
Ok, j'ai fait de la merde, je crois que j'aurais pas dû toucher ce que j'ai touché. Ok, je suis mort. Eh ben dis donc, ce jeu... Yo... Ouh, ça pue. Ouh, ça pue. Ouh, ça pue, ça pue, ça pue, je vais me faire démonter. Évidemment. Évidemment, il y a un tapis roulant. Oh putain, oh putain. Je viens de me faire cramer la gueule. Il va pas être content, il va pas être content. Ouh, il va pas être content, il va me cracher la gueule, il va me cracher la gueule, il va me cracher la gueule. Ouh, commence à être hardcore. Ça commence à être hardcore de... Ouh, comment ça va être hardcore de le terminer, putain. Le fils de... pute. Il essaie de me bouffer en fait, hein, salaud. Il va pas être content. Comment c'est hardcore en fait, c'est putain de hardcore. Comment je veux que j'arrive à gagner ça? Il va pas être très content, il va pas être très content. Oh non, je suis encore mort. Alors. Je vais vraiment recommencer. Est-ce qu'il n'y a pas des options facilité? Contrôle. Non. Merde, je peux plus revenir, merde. Je valide. Je le fais une dernière fois. Et si je gagne pas, enfin si je perds comme une grosse merde, super dur le boss quoi. Et ben, ils vont se faire foutre. Allez, c'est parti. C'est genre le boss de ouf quoi, alors qu'on vient de commencer à jouer. Genre en plus là regarde, ça aspire quand ça veut.
Ouh, il est pas content là. Ouh, il va pas content, il va cracher du feu, il va cracher du feu. Mais il change pas de tactique pour autant. Ouh, il va pas être content, il va pas être content. Il est pas content. Il est pas content. Il est pas content du tout. Je suis un handicapé, j'arrive plus à aller. J'arrive plus à les changer de couleur, les cubes. J'espère que la prochaine fois il va crever parce que putain, ça commence à être hardcore, mon dieu! Oh non! Ah, j'avais gagné! Ah, ta grosse mère, le jeu, de mettre des boss aussi durs alors que j'ai pas commencé à jouer. Ok, et ben j'espère que cet épisode vous aura plu, ce jeu, il est dur et génial en même temps. Voilà, il est là le problème. C'est qu'il est bien et qu'il est pas bien en même temps. Teslagrad. Je crois que je vais utiliser cette vignette là. Vous l'aurez déjà vu peut-être. Enfin, en tout cas un truc similaire. Allez, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à commenter. Et à vous abonner. Et en tout cas à partager cette vidéo pour faire découvrir ce jeu qui... Je pense que ça va intéresser pas mal de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont fans de bah, ce genre de choses. Moi, j'y rejouerai peut-être histoire de mettre mon comment ça s'appelle mon courage à deux mains. Non, c'est pas ça. De remettre mon honneur en jeu histoire d'arriver à battre ce chien de l'enfer. Et puis on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut.